Salut, salut, c'est Clintout et on se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode de mon LP. Donc j'ai peut-être un petit peu de retard, mais c'est que j'ai eu pas mal de boulot. Comme vous avez pu voir en timelapse, j'ai tout recouvert de mycélium. Alors vous allez me dire, mais pourquoi as-tu fait ça? Parce que ici, j'ai envie de faire le petit monde de Sugar Rush. Donc Sugar Rush, c'est quoi? C'est le petit monde qu'il y a dans les mondes de Ralph, le petit monde de plein de friandises là avec Vanellope, von Schwitz. Et du coup, voilà, j'avais envie de faire ça ici, donc pour mes petites fermes à canne à sucre, mes petites fermes à colorants. C'est pour ça que j'ai fait ça ici et pas dans un biome mushroom. Parce que, comme vous pouvez voir là-bas, j'ai une petite forêt de fleurs, donc j'ai plein plein de fleurs colorées. En plus, j'ai une dark forest juste à côté, donc pour farmer du chêne noir, ça va être super. Au passage, je me casse les tibias. D'ailleurs, je crois que j'ai pas remis mon armure. Je vais vite la remettre avant de me prendre trop de dégâts. Et du coup, voilà. Donc là, on a une belle petite plaine de petites fleurs. Donc je viendrai faire une ferme à fleurs par ici pour avoir des colorants. Étant donné que je vais faire pas mal de trucs bien colorés, il va me falloir pas mal de colorants. Comme ça, au moins, j'aurai ce qu'il faut. Du coup, j'ai commencé à recouvrir. Hein. Par la suite, je continuerai à étendre un petit peu le mycélium. Mais là, j'avais plus trop de ressources. Il doit me rester même pas un demi-stack de mycélium. Alors bon, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste. Donc, vous avez pu le voir dans la vidéo, dans le petit accéléré. Tiens, d'ailleurs, ici, il me manque de la terre. Je crois pas que j'en ai sur moi. Non. Je vais aller en chercher, comme ça je vous montrerai ma petite base au passage que je me suis faite pour pouvoir passer les nuits. Donc là j'ai fait le beau petit arbre en canne à sucre qu'on peut voir dans Ralph, là où il s'échoue. En fait on peut voir, là je vais faire une grande les espèces de cornets de glace où il y a l'arrivée avec la route arc-en-ciel là. Donc faudra que je monte un peu et compagnie, que je fasse des trous. Je vais faire 3 cornets de glace je pense. Donc en fait Ralph arrive avait dans un vaisseau dans un jeu qu'il avait joué avant un jeu de guerre avec des aliens et compagnie en fait il s'écrase dans un champ de canne à sucre. Donc là j'ai récolté pas mal de petites cannes à sucre enfin d'argile et colorées. Donc j'en ai de la blanche, de la rose, de la marron et de la marron de la orange et de la marron pardon. Et avec la blanche et la rose, je vais faire plein de petites cannes à sucre ici, donc rose et blanche comme ici. Et du coup, ici, j'ai fait l'arbre. C'est l'arbre qu'on peut voir dans le dessin animé où il s'accroche dedans. Et quand il est en haut, il voit marqué Sugar Rush et tout le petit monde de Sugar Rush. Donc, je vais étendre jusqu'à là-bas avec le petit château du roi, enfin de sa sucrerie. Là-bas, il y a une grande rivière qui fait un peu le tour. Alors, on va aller voir. Donc là, elle fait un peu tout le tour de l'île. Il faudra juste par là-bas, je crois que c'est un peu relié. Ici aussi, il faudra que je fasse tout le tour. Et du coup, ici, je vais raser toute cette herbe. Je vais marquer Sugar Rush comme dans le dessin animé. Comme ça, on saura qu'on est à Sugar Rush. Ensuite, donc ici, je vais me faire une petite cuisine à canne à sucre, étant donné qu'on est dans le biome des cannes à sucre. Là-bas, je pense que je ferai les petites maisons parce qu'il y a déjà des villageois. J'ai juste été voir vite fait, il n'y avait pas grand chose dans les coffres, il y avait juste genre une ou deux pommes et avec du pain et il devait y avoir un lingot d'or, je crois, un truc du genre. Enfin, pas grand chose quoi. Donc, du coup, j'en ai sécurisé quelques-uns, il y en a quelques-uns là-dedans. Ah si, j'allais dire, j'ai pas vu de libraire, mais si, il y en a un ici. Après voilà, j'en ai quelques-uns qui se baladent ici, je vais pouvoir venir échanger des émeraudes. Mais du coup, je pense que je vais raser toutes ces petites maisons et leur faire les belles maisons, enfin de belles maisons, des petites maisons qu'il y a comme dans le dessin animé. Je sais plus si on les voit d'ailleurs dans le dessin animé. Enfin bon, je regarderai, mais je leur ferai des petites maisons un peu plus jolies parce que là, c'est un peu bof. Puis ça ira un peu plus dans le thème. Du coup voilà, ici donc je ferai canne à sucre. Par là-bas du coup on aura le petit dôme dans lequel elle va créer son quart. Donc c'est pour ça l'usine à fleurs, je pense qu'elle ira très bien là-dedans. Parce que pour créer son quart, bah faut qu'elle sélectionne les roues qu'elle veut mettre dessus, la couleur du quart, etc. etc. Donc je ferai un truc un peu dans ce style-là pour l'usine à fleurs. Et puis bah, je crois que c'est tout pour le moment. Niveau idée, j'ai plus trop. Enfin. Pour le moment, j'en ai pas plus. Enfin, si je ferai le château là de sa sucrerie tout en blanc, donc je pense que je le ferai en neige. Je ferai sûrement le parcours aussi en voiture.
Enfin bon, bref, on verra ça dans d'autres épisodes. Pour le moment, on va s'attaquer à l'usine à canne à sucre. Je vais juste aller chercher un peu de terre et un peu de sable. Je crois que j'en ai laissé là-bas. Donc là, il y avait une petite grotte, hein, j'en ai profité du coup pour me mettre ici. Donc là, c'est pareil, il faudra tout que je recouvre. Mais là, je verrai, je vais peut-être recouvrir de terre stérile pour faire du chocolat. Ou alors tout en argile, je sais pas encore. Parce que l'argile, faut aller la miner, c'est un peu long. Mais bon. Du coup, ici, voilà, il me restait à peine 23 de mycélium. Je vais juste prendre un peu de sable, un peu de canne à sucre, un peu de terre aussi pour pouvoir reboucher les trous. Et après, tout le reste, c'est tout dans le coffre là-bas. Donc voilà, je venais passer les nuits ici parce qu'au début, il n'y avait rien d'éclairé. Et du coup, les nuits, je me faisais tout le temps embêter. Donc au moins, j'ai ramené un lit ici. Comme ça, je pouvais faire même la nuit, c'était pratique. Touk touk touk. Alors du coup, il y avait de l'herbe là-bas, j'avais vu. Je vais aller la changer tout de suite. C'était où? C'était là. Hop. Comme ça sera fait, ça sera plus à faire. Hop. Donc ouais, du coup, je sais plus si je l'ai dit, mais j'ai mis du mycélium par terre pour faire un peu comme dans le dessin animé, parce que dans le dessin animé, le sol est un peu rose violet. Et du coup, je trouvais que le mycélium était pas mal. Du coup, voilà, j'ai mis ça. Alors ensuite ici, je vais déjà délimiter l'endroit où je vais faire l'usine à canne à sucre. J'avais vu un peu en créa. Du coup, je crois que j'avais commencé par là. Donc en fait, dans le dessin animé, on peut voir que quand il arrive de la route arc-en-ciel qui mène en fait au réseau de jeux vidéo, il retombe sur un espèce de gros gâteau recouvert de caramel et ensuite il plonge dans la forêt de canne à sucre. Donc tout là, je vais tout recouvrir de petites cannes à sucre avec l'argile rose et blanche là. Et ici, je pensais faire le gros gâteau au caramel justement. Et dedans, on mettra l'usine à canne à sucre, je pense. Alors, du coup, je vais juste enlever ça. Ici, il va peut-être falloir aussi que j'enlève les blocs qui sont là, histoire que ça fasse joli quand même. Tac, 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 tac. Hop. Et on aura sûrement la porte. Alors, ici aussi, on va enlever. J'aurai sûrement la porte de ce côté-là. Ici. Je pense que c'est pas mal. Tac. Non, pas ici. Voilà. Et du coup, voilà, on aura la porte ici. Alors, je voulais pas le faire trop. Oh, j'ai eu un bug là. C'est où que j'ai bugué? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est là-bas. Je l'ai pas fait dans le bon sens. Ça risquait pas de marcher comme il faut. Hop, du coup, on aura le 1 ici. Ah, flûte. Voilà. Du coup, lui, je peux l'enlever. Et du coup, là, ça fera ça. Et 1 et 2. Hop. Voilà, là, c'est déjà mieux. Du coup, ici, on va remettre un peu de terre. On va boucher en dessous aussi. Alors, dedans, je pense que je laisserai en mycélium. Par contre, pour faire pousser la canne à sucre, si je veux pas avoir de soucis, parce que j'avais fait des tests en créa, et en fait, le mycélium repousse en dessous de la canne à sucre et éjecte la canne à sucre. Donc, c'est pas très pratique. Désolée si vous entendez les bruits de camion. J'ai encore fait une boulette, là. Ouais, là, j'en ai mis un de trop. Voilà. Donc ouais, je pense que je mettrai du sable en dessous, du coup, ça rappellera là, le contour de l'arbre. J'ai mis des petites plages de sable. Là-bas, j'ai amélioré aussi un petit lac en mettant du sable. Et alors, du coup, faut que je revoie ce que j'avais fait en créa ici. Mais du coup, voilà, on aura toute cette place-là. Et du coup, je pensais mettre les cannes à sucre par ici et que ce soit tout récupéré. Je pense que je vais mettre des minecart hoppers en dessous, comme ça je pourrais faire ma déco tranquille. J'aurais pas forcément besoin de bien mettre des hoopers partout ou un courant d'eau qui fera dégueulasse.
Ouais. Je retourne voir mon projet en créa et puis on se retrouve après. Je vais peut-être aller chercher un peu de bouffe aussi parce que là je vois que j'en ai plus. Ouais, je vais faire ça. Donc bon, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Re tout le monde. Alors j'ai été chercher ce qui me manquait. Donc j'ai été rechercher de l'argile avec des colorants marron parce que je suis pas sûre d'avoir assez pour faire ma déco après. Et j'en ai un peu marre de faire des allers-retours, donc j'ai tout ramené comme ça au cas où je suis parée. Alors sinon j'ai ramené des slime blocks parce que ben, on va utiliser pas mal de slime blocks pour le petit système. J'ai un peu de sable, des petites boules de slime, ça sera pour les pistons, donc de quoi faire les pistons, donc des planches, de la pierre et des lingots. J'ai ramené du quartz aussi parce qu'on va faire un daylight sensor là, c'est les capteurs de. Enfin les panneaux solaires là, qui captent la lumière du jour, un comparateur pour pouvoir récupérer le courant et des quelques répéteurs, etc. Mais je voulais faire quelques crafts avec vous parce que il y en avait que j'avais pas montré, je crois. Particulièrement les pistons, donc normalement les pistons je devrais en avoir besoin de 6. Mince, j'en ai mis un de trop. Hop, donc 6, on va mettre 6 poutres de redstone. Ah ouais, décidément, je sais vraiment pas compter, hein. Vous auriez pu le remarquer. Bon, ça je vais pas m'amuser à compter, et ça non plus. Hop, donc les pistons, on fait comme ça, donc 3 planches en haut avec les quatre pierres de chaque côté, du fer au milieu et de la redstone en dessous. Donc voilà. Ensuite, je vais avoir besoin de petites boules de slime dessus pour qu'ils soient collants. Hop, alors ensuite, je vais déjà commencer à monter un peu mes murs. Donc en fait, les pistons seront directement collés au mur pour pouvoir pousser les slime blocks. Hop. Non. Alors je pense que je vais faire un côté avec vous et puis je ferai le reste après. Décidément, j'arriverai pas à les placer comme il faut. Bon, je finirai après le reste, hein. Donc du coup, on aura un piston collant ici. Avec, évidemment, j'ai pas pris mes slime blocks. Hop, je vais tous les prendre. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, faut savoir qu'un piston peut pousser jusqu'à 12 blocs. Et vu que j'ai un nombre impair, bah, j'en aurai pas 12, j'en aurai que 10. Mais du coup, je vais faire ça sur les trois côtés là. Donc, il y en aura un ici, un là-bas et un au milieu. Et j'ai mis sur deux étages parce que quand on. En fait, je vais mettre ma canne à sucre juste là. Là, j'ai enlevé les blocs de mycélium. Je vais mettre du sable à la place. Et pour pouvoir faire pousser les cannes à sucre. Et les cannes à sucre, quand elles poussent, elles peuvent aller jusqu'à 3, voire 4 de haut. Mais 4, c'est un peu plus rare. Mais le mieux c'est. Enfin, le plus souvent c'est 3 de haut, du coup, bah voilà, ils monteront jusque-là, et du coup, les slime blocks pousseront les deux rangées de cannes à sucre qui auront poussé, comme ça, ce sera plus efficace, on aura un peu plus de rendement. Alors, ensuite, je vais continuer de monter mon mur. Alors, ici, pour éviter que les slime blocks. Parce que les slime blocks ils se collent à tout, donc si je mets un bloc ici, le bloc il va être emporté avec, et c'est pas ce que je veux. Et du coup, pour au-dessus, pour pouvoir mettre mon système en redstone comme je veux, on a la possibilité soit de mettre des fours, soit de l'obsidienne, soit il me semble, je sais plus trop ce qu'il y a d'autre, mais et sinon il y a des nut blocks aussi. Et du coup, vu que bah, c'est un gâteau au chocolat, à l'intérieur il faut que ce soit aussi du chocolat. Et je trouvais que les nut blocks, eh ben ils allaient bien. Du coup, on va s'en occuper. Donc pour faire un nut block, c'est tout simple, vous mettez une poutre de redstone au milieu et vous entourez de bois. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors ça peut coûter un peu cher en redstone, mais bon, j'en ai pas mal donc. Après, c'est surtout en bois que ça coûte cher, c'est pour ça que j'en ai ramené pas mal. Hop, je vais faire un stack parce que je pense que j'aurai besoin de tout. Hop, hop. D'ailleurs, non, ça n'ira pas. Hop, bon, il m'en reste un peu, c'est pas bien grave.
Du coup, mes notes blocs, je vais déjà en mettre au-dessus ici. Tac, 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 tac. Ensuite, est-ce que j'ai fait... Non, je vais reprendre de la redstone. 8, il m'en faut combien? 2, 4, 6. Normalement, 6, ça devrait me suffire. Je vais reprendre juste 4, 6, 8. Ouais. Hop. Voilà. Alors, du coup, ma petite torche, est-ce qu'il me reste... Non, toujours pas. Je vais reprendre quelques blocs. Voilà. Donc, je les ai tous transformés en blocs parce que, bah, tout simplement, c'est plus économique dans l'inventaire. Ça prend beaucoup moins de place. Donc là, du coup, j'aurai la torche de redstone qui va pousser le piston. Seulement, ma torche de redstone, je veux qu'elle soit pas allumée. Du coup, je vais mettre un inverseur au-dessus. Alors pour ça, du coup, là, je vais remettre des notes blocs. Hop. Du coup, ici, je vais avoir... Ah, si, je sais ce que j'ai pas pris. C'est mes blocs spécial redstone. Ouais, bah, c'est pas grave. Je vais mettre du bois à la place. Ouais, je vais mettre du bois à la place. Du coup, alors ici, on aura... Évidemment, j'ai pas repris ma pelle. Ma hache, pardon. Je n'ai pas encore eu le temps de l'enchanter. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré les enchantements que j'avais eus. Donc, j'ai réussi à avoir une petite pelle fortune. Bah, en fait, j'avais juste commencé à faire solidité 3. Puis, j'ai eu fortune aussi dessus. Donc, bah, c'était pas trop mal. Pour farmer de la clé, ce sera pas de refus. Et ensuite, bah, celle-là, je l'ai renommée pour pouvoir les reconnaître. Pour pouvoir les reconnaître dans mon inventaire quand je sélectionne, parce que sinon j'arrivais pas à les reconnaître. Et du coup celle-là j'ai eu toucher de soie dessus, donc c'était pas mal. Et c'est ce qu'il me fallait pour pouvoir récolter tout le mycélium. Donc j'ai enchanté pas mal de bouquins avant de d'arriver à tomber sur une touchée de soie, donc c'était pas trop mal. Ensuite ma pioche, j'ai eu pareil fortune 3 dessus, donc c'est super. Faudrait que j'arrive à m'en faire une aussi touchée de soie, j'ai pas encore réussi. Et l'épée en diamant, elle a juste tranche en 3, elle n'est pas exceptionnelle, mais bon, c'est un début. Pour le moment, ça me suffit amplement. Et donc voilà, du coup, là, j'aurai un bloc avec une autre torche de redstone dessus qui va servir d'inverseur en fait. Donc la torche là, elle va alimenter la poudre de redstone qui est ici. La poudre de redstone ici va alimenter le note bloc qui est en dessous. Et du coup, va faire éteindre la torche qui est ici. Et du coup, rétracter le piston. Comme ça permettra aux cannes à sucre qui seront ici de pousser. Et du coup pour activer ce petit note bloc, ce bloc là et du coup activer tout le système, je vais mettre un comment on appelle ça? Un capteur de lumière. Voyez, je vais y arriver. Hop, je récupère ça. Du coup là comment j'avais. Si c'était comme ça. Hop, je vais juste mettre mes blocs vite fait. Hop, hop, et du coup ici, ouais, je récupère avec un répéteur. Là, je vais juste finir de mettre mes blocs. Ouais, chut, hein. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, et normalement, voilà, le centre, il va être ici. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, le centre il est ici. Du coup, ici on aura un capteur de lumière. D'ailleurs, il va commencer à faire nuit. Ici, j'ai laissé un trou parce qu'on va avoir besoin d'un piston. Alors, on va juste crafter le capteur de lumière ensemble. D'ailleurs, je vais aller chercher mon sable. J'ai mis à cuire du sable pour avoir du verre. Parce que pour crafter le capteur de lumière, je vais en avoir besoin. Hop. Tchouk, 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 tchouk. Voilà, ah, en plus ça a tout fini de cuire, c'est parfait. Alors du coup, tiens, je vais faire passer la nuit au passage tant que je suis là. J'aime pas la nuit. Puis bon, construire dans la nuit, c'est pas forcément très sympa pour vous. Donc voilà. Alors, on va retourner là-bas. Et du coup, quand on aura la vue d'en haut, on verra le gros gâteau qu'il y aura ici. À côté du petit arbre. Du coup, l'arbre, je pense que je vais l'agrandir parce qu'à côté du gâteau, j'ai fait des tests en créa. À côté du gâteau, il va paraître tout petit. Donc c'est un peu ridicule. Après, je sais pas. Vous me direz au pire ce que vous en penserez une fois que j'aurai fini. On verra ça après. Du coup, il va me falloir du quartz.
Et du coup, il me semble que c'est. D'ailleurs, c'est des dalles, c'est même pas des blocs. On va faire des dalles. Et du coup, il y a du quartz au milieu, si je dis pas de bêtises, du verre au-dessus et des dalles de bois en bas. Voilà, c'est ça. Hop, du coup, on a un petit capteur de lumière. Alors, ensuite, il va me falloir un comparateur, un répéteur. Et puis ben les pistons que j'ai craftés tout à l'heure, voilà. Hop, voilà. Je vais tout prendre dans mon inventaire. Alors du coup, non. Ah, je me suis coincée. Bon, voilà. Hop, je vais le remettre si j'y arrive. Manger un petit coup. Hop. Ok, alors déjà on va commencer par mettre notre petit piston. Hop, du coup on aura le Daylight Sensor ici. Je vais casser ça ici, d'ailleurs j'ai pas récupéré de glowstone, j'irai chercher de la glowstone pour mettre de la lumière au-dessus. Comme ça, ben, vu qu'il produit de l'électricité, enfin du courant tout le temps, là on peut voir qu'il produit du courant parce qu'il fait jour. Et du coup, ça allumera une redstone lampe en dessous et voilà, ça fera bien joli. Alors ensuite, on va mettre un bloc ici. Donc ici, ça va servir de pulse limiteur. On va récupérer le courant du coup très brièvement là-dedans. On va juste rallonger un tout petit poil de 2 ticks. Donc là, il est sur 3 ticks, hein. Et voilà, et du coup quand le jour va... Enfin là du coup il sera en pleine nuit, du coup je vais le mettre en plein jour. Donc là en fait ça capte la lumière de la nuit, et du coup il s'arrête quand le soleil est pile à midi, si je dis pas de bêtises. Donc quand le soleil va être à midi, il va arrêter de faire du courant, et du coup là ça va s'éteindre, du coup ça va rabaisser le piston. Et ça va donner une impulsion là-dedans. Enfin non, là le piston va s'abaisser, pardon. Et ensuite, quand le soleil va continuer d'avancer, le capteur va recapter la lumière du jour. Enfin, va re... Ouais, si, c'est ça, hein. Il va voir que le soleil a avancé, du coup il va se remettre en action, et du coup il va réalimenter le comparateur qui va faire étendre le piston, qui va envoyer une brève impulsion dans ce petit répéteur, qui va avoir pour but d'éteindre cette torche et du coup éteindre la poudre et rallumer la torche ici et du coup de pousser très brièvement le piston. Donc voilà, du coup j'ai mis ce piston là pour faire un pulse limiteur parce que sinon bah, comme vous pouvez voir là ça reste tout le temps allumé et c'est pas ce que je veux. Je veux, voilà, donc là on peut voir que le soleil il est haut dans le ciel, du coup le piston il s'est rétracté. Et bah on pourra voir dans quelques petites minutes que le piston il va se réétendre et du coup ça va envoyer une brève impulsion et du coup faire étendre très brièvement le piston en dessous et du coup ça récoltera toutes mes petites cannes à sucre. Alors ensuite on va s'occuper du bas. Donc non je vous ai pas montré encore. Donc ici j'ai creusé tout en dessous parce que je vais faire un système de récupération avec un minecart hopper. Comme ça, j'aurais pas besoin de. Parce que quand on. Au départ, je voulais faire ça avec des hoppers au sol. Mais déjà, niveau déco, je trouve pas ça super. Et en plus, de temps en temps, ils peuvent glitcher sur le côté et du coup, ils sont pas récupérés par le hopper qui est là. Du coup, je me suis dit, autant les récupérer par en dessous parce qu'on peut. Il faut savoir que si on met un minecart avec hopper, donc. On va le crafter tout de suite d'ailleurs, comme ça sera fait. Je vais reposer un peu de bois. Hop. Voilà. Je vais prendre les cannes à sucre et le sable, ça sera fait. Tout ça, je finirai après. Tout, tout, tout. L'eau, j'en aurai besoin. Ça, je peux reposer, j'en ai plus besoin. Donc, du coup, on a les petits lingots de fer ici. Non. Hop. Alors déjà, pour faire un minecart, c'est comme ça. Vous faites un U, ça fait un minecart. Voilà. Ensuite, pour faire, bah si, du coup, un hopper, il vous faut un coffre.
Hop, et ensuite vous faites un V, parce que oui, ça je l'avais pas fait avec vous, je crois. Vous faites un. Vous l'entourez comme ça en faisant un V, comme une forme de hooper en fait. Et du coup, ça vous fait un entonnoir. Et du coup, après, pour faire le minecart hopper, vous avez juste à mettre l'entonnoir par-dessus le minecart, et ça vous fait un wagonnet en entonnoir, un minecart hopper quoi. Et ensuite, s'il va me falloir des rails. Alors, du coup, pour les rails, ouais. J'ai ce qu'il faut. On va déjà se faire des bâtons. Il a pas encore. Non, il s'est pas encore étendu lui là-bas. Du coup, il nous faut ça et il nous faut du fer et on va en mettre 6 comme ça et ça nous fait des rails. Je pense que 32 ça va me suffire. Après, il va me falloir quelques rails propulseurs aussi. Comme ça va. Le minecart il tournera tout seul. Ah, là on a pu entendre. En plus, j'ai avec les notebooks, ça fait une petite lumière, une petite musique. Donc le piston s'est réétendu et on a entendu l'autre piston qui s'est étendu et rétracté. Donc j'espère que vous l'entendrez dans la vidéo. Parce qu'avec mes petits soucis de son, normalement, j'ai réussi à les régler, mais bon, on ne sait jamais. Du coup, on a nos rails propulseurs, on a nos rails, on a notre minecart. Je vais reprendre un peu de bois vu que j'ai pas pris mes blocs. Je vais prendre un stack carrément. Hop. Voilà. Alors, du coup. D'ailleurs, les répéteurs et compagnie, j'aurais pu les laisser. Ça, j'ai plus besoin. Ça, j'ai plus besoin. Ça, j'ai plus besoin. Si on va juste se faire quelques petits leviers pour pouvoir activer les rails propulseurs, c'est plus économique. Et je vais me faire une échelle aussi. Hop. Juste 3, normalement ça suffit. Hop, comme ça je vais pouvoir enlever cet escalier dégueulasse. Hop, on va le mettre là. Ouais. Hop. Hop là, comme ça on remontera par là. D'ailleurs là, faut que je remette un bloc de terre. Hop là, voilà. Moi j'en ai plus. Bon, bref. Du coup, je vais peut-être enlever d'abord la terre au-dessus. Je vais reprendre ma pelle. Ouais, je vais prendre celle-là. Du coup, on aura les cannes à sucre qui vont venir ici. Jusque là, et derrière, faut que j'enlève aussi parce que derrière il y aura l'eau. Hop, alors du coup, hop, je récupère tous mes blocs. On va déjà mettre les planches de bois pour pouvoir donc pour éviter que l'eau elle aille en dessous. Hein. Je vais reprendre ma hache. Voilà, et ensuite là on aura. Les minecarts qui vont venir ici. Et du coup, on aura nos rails qui vont venir là-dessus. Et du coup, vu qu'on a des rails de poser, c'est la magie de Minecraft. Le sable, vous savez que bah, quand on le pose, il est soumis à la gravité. Du coup, si je le pose là, il restera pas là, il va descendre en bas. Mais si vous mettez des rails en dessous, si vous posez du sable dessus, il va rester en haut. Parce qu'en fait, le rail, il compte comme un bloc entier. Mais il fait pas un bloc entier en fait. Du coup, je peux quand même poser mon minecart dessus. Et je peux quand même poser du sable par-dessus. Du coup, là, c'est bloqué. Du coup, là, je vais pouvoir mettre mon eau. Tac, tac. Voilà. On va faire une source d'eau. Comme ça, on n'aura pas les bruits d'eau qui coulent tout le temps. Ce serait cool. Du coup, on peut maintenant poser notre canne à sucre. Hop, et du coup là quand elle va pousser, elle va avoir tout le temps pour pousser. Et une fois par jour, on aura les pistons qui vont se développer et du coup pousser toutes les cannes à sucre qui vont pousser et ça va venir ici. Alors juste là devant, je vais laisser un bloc d'écart et là devant, je vais poser du verre pour éviter juste que les cannes à sucre elles volent jusqu'à l'autre bout de la pièce et que du coup je sois obligée de mettre des minecarts partout en dessous. Du coup, pour que ce reste économique, je vais juste en mettre, voilà, je vais juste laisser un bloc d'écart et poser du verre tout devant. Comme ça se propulsera contre le verre et
Et du coup, j'aurais juste à récupérer en dessous de ces deux blocs-là. Alors, en dessous de ce bloc-là, c'est sûr. Et en dessous de celui-là aussi, bah, déjà pour bloquer le sable. Et en plus, parce que des fois, les cannes à sucre, elles peuvent rester bloquées au niveau du sable. Donc, comme ça, j'ai pas de perte ou très, très, très peu. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est que je finis mon petit système pour le minecart. Je pense que je vous montrerai une fois fini. Parce que sinon je vais prendre beaucoup trop de temps, surtout qu'il faut que je vois par rapport au virage, par où ça arrive, par rapport à se décoter, tout ça. Donc je finis tout ça, et puis on se reprend après. Et puis comme ça, je vous montrerai en action quand la canne à sucre aura poussé. À tout à l'heure, tchou! Ok, re tout le monde, alors je viens d'aller passer la nuit, comme ça vous verrez mieux. Mais voilà, donc... Oups, je suis tombée. Donc j'ai mis quelques petites cannes à sucre, j'en rajouterai sûrement un peu plus par la suite. C'est juste que je voulais finir un peu l'épisode avec vous, parce que là j'ai regardé un peu le niveau temps de l'épisode. En fait, je retourne la fin parce que j'avais fait un peu tout l'intérieur avec vous, etc. Mais en montant l'épisode, je me suis rendu compte que ça faisait vraiment trop long. Donc voilà, du coup, j'ai fini toute la petite usine à l'intérieur. On va déjà aller voir dedans. Donc voilà, j'ai mis une petite déco canne à sucre. Donc avec mes petites cannes à sucre qui poussent tranquillement, tout ça, tout ça. On entend le minecart en dessous. On va aller voir. Donc voilà, on a le petit minecart qui tourne, tout ça, tout ça. Ici, j'ai juste décalé un petit peu, parce que là, vous voyez, ça va jusqu'au niveau du sable. Mais ici, j'ai décalé un petit peu, parce qu'en fait, quand il arrive sur le hopper ici, j'ai des items qui restaient coincés, en fait, sur ce bloc-là. Parce que quand il arrivait au-dessus du hopper, de l'entonnoir, le minecart se mettait en mode je donne les items au hopper en dessous. Et du coup, il avait plus sa fonction j'aspire ce qu'il y a au-dessus. Du coup, j'avais des items qui restaient coincés au-dessus. Et là, normalement, c'est tout bon. Il n'y a plus rien qui reste coincé en haut. Donc là, j'en ai eu pas mal que j'avais fait pousser dehors. Je sais plus si je l'avais déjà dit, mais bon, ça en a farmé quand même pas mal. Donc vu que j'ai quelques petits projets dans cette zone-là, au moins ça m'en farmera tout seul. Ce serait bien qu'on arrive à voir la petite machine en action, comme ça je vous montrerai comment ça fonctionne. On va juste aller voir vite fait. Donc voilà, j'ai fait quelques petites cannes à sucre. Enfin, des cannes en sucre d'orge pour aller avec l'arbre. Alors, comme je vous ai dit, l'arbre, je vais sûrement l'agrandir parce que, comme on peut voir là, comparé à l'arbre, comparé au gâteau, il fait vraiment ridicule. Donc, je vais sûrement l'agrandir. Faut que je retravaille ça. Mais sinon, voilà, je rajouterai sûrement des petites cannes à sucre encore un peu par là-bas et par là-bas. J'en mettrai peut-être un peu par ici. Et puis voilà. Donc on va aller voir le mécanisme là-dedans. En fait, j'ai juste fait un copier-coller, hein. J'ai repris donc le petit système que j'avais là. J'ai juste changé le note block là. J'ai descendu juste par rapport à ma déco d'en dessous. Donc voilà. Là-haut, j'ai mis une vitre. Donc pour faire. Enfin, on verra ça d'au-dessus. Pour faire la cerise sur le gâteau. Mais j'ai juste mis des vitres. Parce que faut que le détecteur, le daylight sensor, le panneau solaire, il capte la lumière du jour. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis une vitre, sinon ça marche pas. Et voilà. Alors ensuite, là, au départ, j'avais fait ma déco juste ici, là, par-dessus la torche. En fait, ça faisait bugger et ça faisait bugger le piston. Je sais pas, il était pas content et du coup, il restait étendu tout le temps alors que c'est pas ce que je voulais. Donc voilà, j'ai modifié ça. Et du coup, j'ai mis des petites lumières juste histoire que ça spawn pop sur le gâteau. Et donc, comme je vous disais, voilà, la petite cerise sur le gâteau. Alors, je ferai peut-être un peu plus gros, ou je sais pas. Ou je mettrai peut-être une petite barrière. Tiens, là, on a entendu que ça s'est rétracté. Donc, dans 2 petites minutes, normalement, on verra l'action à l'intérieur. Sinon voilà, d'ici on a une pas trop mal vue, hein. On a une pas trop mauvaise vue, donc je pense que je ferai le petit vaisseau dans lequel arrive Ralph. Je le ferai s'échouer sûrement par là-bas, je pense. Je trouvais que c'était pas mal là, en bout de
en bout de petite colline, là, ce serait pas mal. Parce que là, donc, comme je vous ai dit, je vais faire des gros cornets de glace, bah, comme dans le dessin animé, avec la route arc-en-ciel qui sort. Et du coup, mon portail du Nether, pour le moment, il est là-bas dans la forêt. Je le mettrai sûrement en haut, comme ça, bah, ça fait comme s'il arrivait du centre de jeux vidéo et que du coup, il arrive dans ce petit monde. Voilà. Et du coup, d'ici, on pourra voir, donc là, comme je vous avais expliqué, tout ici, je vais tout raser et je marquerai ce garrosh. Du coup, voilà. Bon, on va aller à l'intérieur avant que ça se déclenche, comme ça vous pourrez le voir. Du coup, j'enlèverai l'escalier là que j'avais fait, c'était juste pour vous montrer, je finirai de boucher les trous. Et puis, voilà. Donc là, on peut voir qu'il y en a quelques-uns qui ont poussé. Donc là-bas, ça n'a pas poussé, mais c'est juste parce que ça avait bugué. Du coup, le temps que je remette et tout, ben, ça n'a pas eu le temps de pousser. Mais tout le reste a poussé. Donc, ben, je vais rester par là et normalement, on devrait pas tarder à voir. Avoir tout ça bouger. Faut encore que j'aille chercher de la glowstone pour en mettre là-haut. Pour me faire une petite redstone lampe. D'ailleurs, je sais pas s'il m'en restait pas à ma base. Faudrait que je regarde ça. C'est vrai que j'y suis pas encore retournée. Mais bon. On regardera ça. Bon alors. C'est quand vous voulez, les filles? Deux. Non, je vois. Non, moi mais je on fait compte à deux minutes demi-tour. de Oui. oui. Hop. On fait Pas à que deux. bouge. Non, Non, pas plus. juste là. Et voilà! En plus, on a le petit bruit des notes blocs, c'est trop mignon. Et du coup, on peut voir que tous les items ont été aspirés par le minecart quand il est passé en dessous. Donc, je n'ai aucune perte. Et ça, c'est génial. Et du coup, on peut voir en dessous que ça a tout été récupéré. On en avait 66, 64 et 44. Et là, on peut voir qu'à chaque fois, il en rajoute un. Donc, bon, ça prend un petit peu de temps. J'aurais pu faire un système où le minecart s'arrête, il déverse tout et il repart après. Mais bon, j'ai pas trop voulu me compliquer non plus. Là, ça remplit. Et puis bon, là, comme ça laisse le temps aux autres de pousser aussi. Donc, bon, je me suis dit, voilà. Bon, et bien sur ce, moi, je vais vous dire, je vais vous laisser là. Je vais vous faire plein de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ou un commentaire ou à vous abonner si vous venez d'arriver. Ça fera très très plaisir comme d'habitude. Donc bah, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!